reconnaît les plus fragiles comme des personnes, non pas à prendre en charge, mais ayant des dons et des talents à apporter à la société. Une belle mission pour les professionnels que de les accompagner en cela, pour une société plus juste et plus humaine. Et un beau programme pour un nouveau gouvernement que de choisir cette ambition et la mettre en route sans tarder. Merci Philippe de la Chapelle. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Office chrétien des personnes handicapées. Merci Clara. Radio Notre-Dame. Antonio Vivaldi, concerto de la Notée. On va en sortir un petit peu pour cette matinée avec Marie-Ange de Montesquieu. Et oui, avec cette trêve estivale, peut-être allez-vous devoir supporter, je dis bien supporter, votre belle-mère et votre belle-famille. Et bien justement, ce matin, comment éviter les conflits avec tout ce petit monde quand on a 3 semaines, 2 semaines ou même 1 semaine, parfois ça paraît eh bien, une éternité. Ou quelques comment heures. Ou quelques heures. Après écoutez, tout. Vous parlez de vous. Ah non, pas du tout. Moi, je m'entends très bien avec ma belle famille. Eh bien, tout va bien. Écoutez, juste après. Les infos de Clara Giannitelli à 9h. Bonjour, aujourd'hui à 10h, le Conseil d'État examine le recours de la municipalité de Grenoble concernant notamment le port du burkini dans les piscines de la ville. Pour rappel, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu la disposition mise en place par Éric Piolle le 25 mai dernier. Le procureur du procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny rend aujourd'hui ses réquisitions à l'encontre de la SNCF, SNCF Réseau et d'un ancien cheminot poursuivi pour blessure involontaire et homicide involontaire. Les deux filiales encourent chacune jusqu'à 225 000 euros d'amende. L'ancien cheminot encourt, lui, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Pour rappel, le 12 juillet 2013, en gare de Brétigny-sur-Orge, le déraillement d'un train intercité Paris-Limoges avait fait 7 morts et plus de 400 blessés psychologiques et ou physiques. Le duel pour la majorité absolue à l'Assemblée nationale continue. La première ministre Elisabeth Borne, en déplacement dans le Calvados hier, a qualifié Jean-Luc Mélenchon de premier menteur en expliquant que le parti Ensemble et la force politique qui a eu le plus de candidats, au deuxième tour. Il y a une différence de 21 000 voix avec la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Un écart contesté par l'Union de gauche qui revendique la première place et accuse le ministère de l'Intérieur de tripatouillage en expliquant que le ministère reclasse des candidats NUPS en diverses gauches. Aujourd'hui et demain, les évêques de France se réunissent à Lyon avec pour but de réfléchir et d'adopter un texte d'engagement portant sur l'avenir de l'Église demandée par le pape François en octobre 2021. Lors de la conférence des évêques de France, des laïcs invités participeront aux travaux. Ces textes seront envoyés au Vatican en août. C'est la journée mondiale du don du sang aujourd'hui et les réserves de sang sont très faibles depuis la pandémie mondiale du Covid-19. À Paris, l'établissement français du sang lance une opération de don en association avec le monde de la culture. Il vous sera possible de donner votre sang jusqu'au 24 juin au Carrousel du Louvre, au musée d'Orsay, à l'hôtel de ville et au Philanthrope Lab. Et puis, à une semaine de l'été, la France s'apprête à connaître des températures au-dessus de 30 degrés dans les jours à venir. Une situation qui fait craindre des pertes de récoltes et des incendies dans l'Hexagone. Une dépression ramène progressivement sur l'Europe occidentale de l'air très chaud en provenance du Maghreb. L'armée ukrainienne a reconnu avoir abandonné le centre de la ville de Severodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe après des combats de plusieurs semaines. Sergueï Guaïdaï, gouverneur de la région de Lugansk, affirme que les combats de rue se poursuivent et que les Russes continuent de détruire la ville. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux de lui fournir des armes modernes pour continuer la lutte. Il a affirmé que la bataille du Donbass restera sûrement dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus violentes en Europe.
Et tout de suite, enquête de sens, comment éviter les conflits, avec sa belle famille en vacances. Ça tombe bien, je passe mes vacances chez mes beaux-parents. Je vais écouter ça avec attention, bien avec Clara. Vous Marie-Ange. À tout de suite. Bonjour, c'est Geneviève Delmarmol. Cette semaine, dans Philanthropia, nous parlerons de l'aide aux plus démunis avec la Fédération Magdalena. Je recevrai Rodolphe Baron, président de la Fédération Magdalena, et Arnaud Ploy, responsable de l'association Magdalena à Boulogne. Rendez-vous mardi à 19h. Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La financiarisation folle ou la lutte des classes, ce n'est pas un choix, mais une caricature. Découvrez Capital Social, le nouveau magazine qui décrypte l'économie autrement. Notre rédaction libre, engagée, explore le terrain économique et social sans a priori. Découvrez dans ce premier numéro les mensonges et les vérités du travail du dimanche. Capital Social, le nouveau magazine économique et social, libre et indépendant. Le téléphone du dimanche. Tous les dimanches à 17h, Radio Notre-Dame permet aux personnes détenues d'écouter en direct leurs familles et leurs amis. Chaque appel leur est un soutien précieux pour garder foi en l'avenir. Alors vous aussi, soyez au rendez-vous. Pour participer à l'émission, notre standard est ouvert chaque dimanche à partir de 16h30 au 01 56 56 44 00. Le téléphone du dimanche, chaque dimanche à 17h. On a un héritage qui est en fait infini, parce que ce sont des arborescences de souvenirs qui ne sont pas les mêmes chez chacun, parce que les places ne sont pas les mêmes. Et l'Église n'apporte pas des choses d'ailleurs contradictoires, mais il y a un petit plus. Et alors là, sincèrement, on ne peut pas l'acheter dans une pharmacie. Je suis entraînée par un ancien écuyer du cadre noir qui me dit toujours « Mais c'est le cheval qui doit briller, c'est pas toi. Toi, t'es là pour lui montrer ce que tu dois faire, mais ce que tu montres au juge, c'est ton cheval. » On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence? Vous pouvez rester assis à rien faire devant un écran. Vous déjeunez avec votre belle famille et les remarques fusent à table plus vite qu'un lance-roquette. Éducation, politique, vision de la vie, culture, etc. Tous les sujets y passent. Sachez en tout cas, mesdames, que vous êtes 20% en France à maudire votre belle-mère. Alors quand on aime son mari mais pas sa belle famille et qu'il reste encore 3 semaines pour se supporter, tout simplement à la veille des vacances d'été, nous nous posons cette question. Comment éviter les conflits avec sa belle famille en vacances, Marie-Ange Enquête de Sens? Eh bien, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir sur ce plateau Noémie de Saint-Sernin. Bonjour Noémie. Bonjour. Prêt à attaquer cette question qui, cette journée, effectivement, bravo, vous avez déjà pris votre café, je vous félicite. Coach en développement personnel que vous êtes et en parentalité. Vous êtes conférencière, vous êtes formatrice. Vous êtes l'auteur des Clés de la colère, manuel de survie pour le parent au bord de la crise de nerfs. Ça tombe bien, chez Erol. Et puis, Les Clés du passé, toujours dans la même maison d'édition. Et Stéphanie Combe est également avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir en vrai cette fois. Mais oui. Aussi à vous. Déplacée journaliste à l'hebdomadaire La Vie que vous êtes et maman de 3 enfants. Vous avez notamment écrit, hein, votre petit dernier, La puissance de la prière des parents chez Salvatore. Vous étiez d'ailleurs venu en parler la semaine dernière. Non, mais il y a quelques semaines. Le temps passe très vite, mais quand même, il y a exactement des limites. Alors, je ne sais pas si la prière y peut quelque chose, vous allez peut-être nous dire, pour orienter un peu son comportement, qui est parfois épidermique, vis-à-vis de sa belle famille, en particulier la belle-mère. Est-ce que ce sondage, pour commencer, mesdames, vous surprend? Qui veut répondre, Noémie, peut-être? Alors non, ça ne me surprend pas, effectivement. La question de la belle-mère, c'est un vrai sujet. C'est pas qu'un cliché. Chez les belles-filles, oui. Oui, oui. Sujet de rivalité, de jalousie, de territoire, de limite. Voilà toutes les questions. De territoire parce que... De territoire parce que, en fait, ce qui va poser problème, c'est souvent que la belle-mère empiète un peu sur le territoire de sa belle-fille. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où elle vient mettre son grain de sel, ouais, dans l'éducation des enfants, dans la gestion de son foyer, dans la décoration de sa maison, ça peut aller très très loin. Et donc c'est soit des petites piques, soit elle est très intrusive et par exemple elle vient garder les enfants et on rentre et tout à coup elle a fait le ménage. Alors on peut trouver ça très sympa, oups, elle a fait le ménage, sauf que quand on n'a rien demandé, on envoie le mauvais message, c'était sale chez toi. Vous savez, on écrit cochon avec la poussière, avec le doigt sur la poussière, ça c'était terrible. Stéphanie Combe,
Est-ce que ce sondage, pareil, même question, qu'est-ce que vous inspire ce sondage 20%? Ça paraît quand même... c'est plus un cliché, là, on est dans une réalité. Oui, alors fait, la bonne nouvelle, c'est que 80% s'en réjouissent. C'est juste. Enfin, en tout cas, mais ne, c'est vrai que... ne disent rien. Voilà. Ça. Mais c'est vrai que la difficulté en cas de vacances dans sa belle-famille, c'est qu'on arrive dans le territoire de la belle-famille oui. et donc de la belle-mère. Donc, on n'est pas chez soi. Et toute famille, c'est un organisme vivant, régi par des règles, souvent tacites. Et en tant que belle-fille, on n'est pas toujours autorisé à venir les bousculer, les remettre en cause. Et selon le profil de la belle-mère, en effet, selon les belles-sœurs aussi, s'il y en a, ouais. La mayonnaise peut prendre ou ça peut être un beau cocktail explosif. Ben justement, on va être là pour essayer de donner quelques pistes, quelques petites recettes si l'on peut. J'avais oublié de mentionner évidemment ce livre essentiel pour lequel vous êtes en partie là, chère Stéphanie, autour des belles-mères et des belles-filles qui était paru il y a quelques années. Toujours, je crois, chez Salvatore, si je ne me trompe pas. Aux éditions Casar, pardonnez-moi. En tout cas, c'est vrai que si vous avez écrit un bouquin il y a quelques temps sur ce sujet, c'est qu'il y a en tout cas matière à en parler. Les crises peuvent être diverses et variées. Ça peut concerner absolument tous les sujets, comme le disait Noémie de Saint-Cernin. Alors, pour commencer, donc là, on est à la veille des vacances d'été. À la fois, on est ravis, par exemple, que les enfants se retrouvent. Nous, on est contents parce que parfois, il y a une belle sœur qui nous plaît ou un beau frère qui est sympa. Mais globalement, effectivement, là, pour le coup, quand la belle-mère, on ne peut pas la supporter, comment, dans quel état d'esprit d'abord, se préparer à ces vacances ? On sait qu'on va y aller, mais comment est-ce qu'on fait pour vous, Noémie ? Eh bien déjà, on met de la distance entre ce que l'on ressent et la réalité. Parce que souvent, ça devient très épidermique, c'est-à-dire qu'on part déjà avec un postulat que ça va mal se passer. Et c'est, même si c'est la volonté de deux personnes de bien s'entendre, on peut mettre un peu de l'eau dans son vin. Ouais. Et accepter, et voir peut-être prendre le contre-pied de ça, et voir les bons côtés de sa belle-mère. Parce qu'elle ne peut pas avoir que des mauvais côtés quand même. Je crois que c'est ce que dit d'ailleurs notre amie Stéphanie Combe dans son livre. On est d'accord. Oui, exactement. Personne n'est parfait, il faut partir de ce postulat. C'est ça. Ouais. Voilà. Pas même nous-mêmes. Exactement, pas même nous-mêmes. Et ce que doit reconnaître la belle-fille, c'est qu'elle aussi, elle est peut-être agaçante aussi pour sa belle-mère et qu'elle n'est pas parfaite. Et que la belle-mère, il faut en prendre les bons côtés parce qu'il y en a forcément. Elle peut être un bon soutien, elle peut être d'une aide formidable, elle a aussi de l'expérience. Donc c'est vrai que voilà, changer un peu de paradigme, ça va aider à aborder les vacances avec moins de pression. Parce que si on part en se disant ça va être la catastrophe, ça va mal se passer, qu'on ne voit que le négatif... Encore mal se passer. Mal se passer, forcément, on part pas déjà dans de bonnes dispositions. Alors, version Valérie Combe, Stéphanie Combe, pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça donne? Alors, la préparation effet, mentale. Qu'est-ce qui est compliqué en fait de ces retrouvailles familiales? D'abord, c'est souvent la promiscuité parce que la maison, si grande soit-elle, n'a jamais suffisamment on vit H24, quoi. Voilà, on vit ensemble. S'il y a plusieurs familles, les rythmes, les âges sont différents, les rythmes sont différents. Donc, il y aura le petit qui va se réveiller la nuit, les grands qui eux, voudront faire la grasse mat jusqu'à 11h et qui se lèveront péniblement. Mettre les pieds sous la table. Il y a la fatigue. Objectivement, souvent, on arrive en vacances fatigué. C'est juste. On aspire à se reposer. Or, c'est là où il peut y avoir pas mal de tensions. Donc, à cause de ces... On prolonge les soirées. Donc, les nuits sont courtes, finalement, parfois entrecoupées. Les réveils sont parfois plus matinaux que prévu. La literie est souvent déglinguée. On n'a pas son petit confort. Ça sent vécu. Donc, c'est pas évident. Et quand on se retrouve en groupe, il y a toujours cette inertie liée au groupe. Et il faut bien dire, des caractères qui sont plus ou moins sensibles au quotidien. Compatibles. Voilà, compatibles. Et puis, c'est souvent les mêmes qui vont mettre le couvert, s'inquiéter du repas, voilà. Desservir, faire la vaisselle. Ouais. Et ça peut être pesant. Alors justement, comment faire au départ pour est-ce qu'il faut d'abord changer son comportement, essayer de s'adapter? Mais pas trop, parce que c'est ça qui est compliqué, Noémie. Alors oui, on doit s'adapter parce qu'on n'est pas chez nous et parce qu'il y a les codes et les règles jusqu'où de la personne chez qui l'on va. Maintenant, on a aussi, nous, nos règles et nos limites.
Et c'est important de les exposer au moins. Peut-être qu'elles ne seront pas respectées, mais l'autre ne peut pas deviner ce qui est important pour moi. Et donc, en fait, quand les besoins de l'un se heurtent aux limites de l'autre, c'est là où ça clash. Alors, prenons des exemples, si vous le permettez, pendant cette émission. Les repas, par exemple. Oui. Ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. On est d'accord, toutes les trois. Ouais, ça vient très souvent. Un des sujets. Parce que ça revient quand même trois fois par jour. Hein. Moi, je ne veux pas donner de bonbons à mes enfants. Voilà. Oui, alors il y a ça, effectivement. Ouais. Alors ça, on revient à la question des grands-parents, etc. Mais au-delà de ça, l'organisation, les horaires, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter, Noémie et Stéphanie? Moi, je pense qu'il faut mettre en place un planning, comme on le fait dans sa famille avec les enfants. Mettre en place un planning. Moi, je trouverais ça normal qu'on dise, j'ai établi un planning, chacun à tour de rôle, par exemple, va mettre la table, ou chacun à tour de rôle, parce que sinon, ça sera toujours les mêmes qui vont se lever. Pas parce que les autres sont feignants. Parfois, ils discutent, ils ne s'en rendent même pas compte, Et puis c'est fait. Donc, en mettant en place, par exemple, un système de planning, qui fait les courses, qui gère les repas, qui gère le débarrassage, mettre en route le lave-vaisselle. En communauté, c'est ce qu'on fait, de toute façon. Oui, Stéphanie Coumain. Exactement, je crois que la clé, c'est l'anticipation. Alors, ce qui peut aussi heurter les personnes qui sont plus à vouloir se débrouiller, qui n'aiment pas trop anticiper, mais en fait, la clé de vacances réussies, c'est souvent ça. C'est d'abord tâter le terrain du côté des beaux-parents. Parce qu'il y a des belles-mères aussi qui n'accepteraient pas qu'on fasse les courses à sa place, c'est elle qui gère, c'est chez elle. Donc, c'est peut-être suggérer, pourquoi pas, que tel jour, c'est telle famille qui prend en charge le repas. Voilà, parce qu'on n'a pas évoqué, il y a aussi parfois la difficulté de différence des revenus. On n'a pas tous les mêmes ressources, donc ça peut créer aussi des tensions. Donc l'idéal, c'est de faire simple et d'anticiper. Et je reprends ce que vous disiez, Noémie, l'anticipation, c'est aussi, avant d'arriver, avant de se mettre les pieds sous la table, c'est quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins. Et ça, c'est à partager, je pense, en couple, parce que la clé de voûte, c'est vraiment se laisser la liberté, même en groupe, même avec d'autres familles, même chez ses beaux-parents. C'est l'importance de communiquer ensemble, de manière à être deux, à décider. Et pourquoi pas à décider, tel jour, de s'extraire de cette vie communautaire pour faire une balade en famille nucléaire. Tel jour, se réserver un dîner au resto en amoureux. Voilà, je crois que la clé, elle est vraiment là, à la fois avoir la souplesse de se laisser bousculer dans ses petites habitudes, dans les cris, les bêtises éventuellement, mais savoir faire preuve d'assertivité, ce que vous disiez, c'est-à-dire cette capacité à affirmer ses besoins sans empiéter sur ceux des autres. C'est ça. Ouais, Noémie. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un point auquel j'étais en train de me dire, il ne faut pas oublier de le dire, parce que on se croit, parce qu'on est invité, obligé de participer à tout et d'être là tout le temps. Ouais. Mais qui l'a dit ? Alors oui, comme on craint tellement le regard des autres. Si on fait ça, ça met une pression à la belle-mère et à tout le monde. Pas forcément. On l'anticipe. On ne sait même pas si ça va plaire ou déplaire. Mais on a tellement peur de déplaire et du regard des autres qu'on se conforme ou qu'on reste à subir certaines choses. Alors que son écologie personnelle, c'est important. Si on n'est pas à l'aise d'être tout le temps ensemble, il y a des gens qui ont le besoin d'intimité. C'est un besoin important de se retrouver dans l'intimité avec soi-même, mais aussi avec sa famille, par exemple, et de s'extraire un peu du groupe de temps en temps, comme l'a très justement dit et expliqué Madame à l'instant. Parce que Stéphanie Combe, mais c'est vrai qu'on peut se mettre une pression et ça nous rend un peu hypocrite du coup vis-à-vis du groupe, quoi. Mais un jugement, ça me rend hypocrite. Non, ça me rend juste, je m'occupe de mes besoins et moi, si j'ai besoin de m'extraire du groupe, voilà, c'est vrai que le groupe peut voir ça comme de l'hypocrisie ou comme un manque de civilité ou peu importe, mais est-ce que c'est important? Et si je l'ai expliqué, comme l'a dit Stéphanie, bien clairement avant, en disant, voilà, on est ravis d'être là, mais on a prévu, nous, une sortie en famille tel jour, ou d'aller dîner. Mais oui, il faut pas se prendre la tête. Souvent, simplicité, Stéphanie, c'est important, je trouve, que vient d'évoquer Noémie, peut-être. C'est vrai qu'on se met beaucoup de pression, et c'est vrai aussi que c'est le problème de ces règles tacites. Quand elles ne sont pas exprimées, chacun les interprète à sa sauce, et peut, en effet, se mettre beaucoup de pression, alors que, si ça se trouve, ce sera pas nécessairement mal vu, ou tout au moins, c'est un besoin que j'ai, et qu'il s'agit d'assumer, d'assouvir, autrement
comment je vais devenir une véritable enquiquineuse. Et finalement, ça va se répercuter sur l'ensemble de la famille. Donc, je crois que c'est important de savoir exprimer ses besoins. Alors, est-ce que c'est me ressourcer seule? Est-ce que c'est faire une balade quotidienne dans la nature? Est-ce que c'est bouquiner sans avoir 15 gamins dans les pattes qui crient? Enfin, voilà, savoir l'exprimer. Et parfois aussi, ils ne sont pas totalement raccord avec la culture familiale, parce qu'il y a des cultures familiales. Oui. Il y a des familles hyperactives, des familles au contraire farniente, des familles très organisées, des familles hyper sportives. Si on n'a pas fait le footing à 6 heures du matin, la journée est foutue. Donc il faut aussi savoir être capable de se distinguer, de se dissocier de cette culture. Parfois, pourquoi pas, si ça nous fait plaisir, participer, mais aussi savoir être en retrait et assumer ses propres besoins. Comment on fait? On faut le dire, il faut le verbaliser au début des vacances, avant. Alors je crois que c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on fait? Concret. Ouais. Alors, on anticipe. Ouais. On prend son téléphone, on appelle sa belle-mère. Voilà, en glissant, comme vous disiez, bah nous, ça nous ferait plaisir de prévoir un déjeuner ou un dîner en amoureux. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on aimerait bien aller à la ferme un tel avec les enfants. Pourquoi pas proposer aux enfants qui ont le même âge? Parce que c'est ça qui est difficile aussi entre cousins. Il y a les ados qui ont d'autres centres d'intérêt que les tout petits. Donc, il faut s'autoriser à scinder selon les tranches d'âge, à proposer différentes activités pour que tout le monde y trouve son compte. Et d'ailleurs, on parle des enfants. Les enfants, eux, ils n'ont pas de problème. Les ados, s'ils veulent être tranquilles et pas être avec les petits, ils ne sont pas sympas, ils ne jouent pas avec tout le monde. Ou... Les enfants, eux, envie de s'isoler, ils s'isolent. Quand ils ont envie d'être en groupe, ils se font dans le groupe. En fait, on devrait faire pareil qu'eux, finalement. Ouais. C'est-à-dire que les enfants, ils ne se forcent jamais. Et nous, on se force. Et du fait de se forcer vient la souffrance, en fait. C'est parce que je ne suis plus alignée avec ce qui me fait plaisir et tout ça, que je suis plus, que je comble plus mes propres besoins, que je vais en vouloir finalement aux autres de pas me laisser les exprimer, mais l'autre, encore une fois, ne peut pas deviner. Et du coup, ça devient un sentiment d'injustice, et puis ça peut aller très loin, en fait, cette affaire. Et puis c'est vrai que quand on est reçu dans sa belle famille, parce que dans sa famille, à sa maman, on sait très bien lui dire les choses. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci, on n'est pas gêné, on peut lui dire les choses, mais sa belle-mère, c'est plus délicat, parce qu'on on est moins intime avec sa belle-mère, mais on peut passer par son mari. On n'est pas obligé de passer directement par elle si on n'ose pas y aller vraiment. Parce que, je ne sais pas, elle est loin, on ne veut pas le faire en arrivant, on veut que ce soit dit avant pour partir sereinement. On peut envoyer le mari comme messager en disant, voilà, on est ravis de venir, ça nous fait plaisir, que les enfants soient ensemble, vous les voyez. Mais nous, avec un tel, on a prévu telle ou telle activité. Stéphanie, avant que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce point-là, mais sur les aspects de l'éducation, c'est vrai que souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai eu par exemple le mail d'une auditrice qui, en voyant le thème de l'émission d'aujourd'hui, racontait qu'en fait, c'était absolument épouvantable, puisque depuis toujours, enfin depuis très longtemps, depuis qu'elle est mariée, sa belle-mère s'implique, enfin, est extrêmement intrusive, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur l'éducation de ses enfants et sur sa vie même intime. Enfin, c'est épouvantable. Et là, pour les vacances, on peut aussi peut-être refuser de passer, dans certains cas, les vacances avec sa belle-famille. Je suis désolée d'aborder ce sujet. Non, tout à fait. Je pense vraiment qu'il y a une question d'autorisation qui est parfois délicate dans les débuts quand le couple se construit. Mais il y a un moment donné, si vraiment ça se passe mal, il faut aussi s'autoriser à réduire. On n'a pas parlé de la durée, mais qu'il vaut mieux court et que ça se passe bien, qu'on regrette de se quitter, que long, voilà, un mois, a priori, c'est à proscrire. On peut essayer 2-3 jours pour commencer, quoi. C'est ça. Sauf si on s'entend super bien. Et là, on prolonge. Mais quand vraiment ça se passe mal, quand ça risque de dégénérer en crise de couple, parce que forcément, c'est ça la difficulté, c'est que du côté du mari qui est en tenaille entre sa mère et sa femme, c'est toujours très compliqué. Donc, pour lui, ce ne sera pas non plus des vacances très reposantes, très ressourçantes. Ouais. Donc, parfois, il vaut mieux dire, on passera une journée. Pourquoi pas louer un logement à proximité, selon les moyens. Ça peut être une solution de préserver l'intimité familiale de la famille nucléaire.
tout en participant aux activités, en étant peut-être davantage moteur, en retrouvant pour un déjeuner, pour l'après-midi. Ça permet peut-être de rééquilibrer un petit peu et de ne pas se sentir invité, justement, donc pas chez soi. Ouais. Mais quand vraiment ça se passe mal, parfois, il est plus sain de refuser ses vacances. Ensuite, c'est facile aussi, on n'a que 3 semaines de vacances l'été. Il y a l'autre belle famille, on peut avoir un projet familial. Et puis, on peut inviter éventuellement certains cousins qui s'entendraient bien. Quand on a des enfants, ou bien inviter des cousins juste dans une autre maison, quoi. Enfin, ailleurs que dans sa belle famille, histoire d'avoir un peu de famille quand même, sans avoir les inconvénients de la. C'est ça. Et ça peut être un signal pour la belle-mère, les beaux-parents. Qui a un problème. Qui a un problème et que peut-être se remettre en question, remettre les cartes sur la table. J'imagine que vous, Noémie, en consultation, et puis vous, Stéphanie, pour écrire votre livre, vous êtes basée sur des cas extrêmement concrets et puis des situations qui peuvent être extrêmement douloureuses en vacances, à des situations qui marquent à vie. Enfin, on en voit. Ah oui, Noémie, bien sûr. On en voit. Mais souvent, oui, on en voit, mais à un moment, il faut prendre sa responsabilité aussi. C'est-à-dire que moi, quand je reçois en consultation sur ces sujets, la personne subit, mais ne dit rien. Il y a ça aussi, je voulais aborder la question du silence. Elle est vraiment dans une situation de silence, c'est-à-dire qu'elle subit des choses, mais elle ne les exprime pas. Ou alors, elle les exprime dans l'intimité à son mari, mais elle ne dit pas à la personne en face d'elle. En fait, elle ne fait rien pour que ça change non plus. Donc, à partir du moment où on commence à... Voilà, il est important d'exprimer, encore une fois, parce que c'est souvent ça. On a tellement peur que ça soit mal perçu, mais finalement, la personne préfère souffrir d'une certaine façon que d'exprimer, parce qu'il y a plus de souffrance peut-être à le dire, parce qu'elle craint tellement l'opinion qu'on va avoir d'elle, ouais, ou la façon dont ça va être reçu, qu'elle craint que ça soit pire même. Oui, parce qu'on peut aussi avoir peur d'exprimer les choses à sa belle-mère, un désaccord éventuel ou plusieurs, par peur d'être mal vue par les autres de la tribu, les autres membres de cette tribu de la belle-famille, Stéphanie. C'est ça, c'est jamais évident de se positionner, a fortiori quand on n'est pas dans sa famille. Et pour autant, je pense en effet qu'il faut exprimer avec tact et diplomatie. Et au moins, ne pas passer sous silence sa surprise. Parce que la belle-fille, donc, quand elle arrive dans sa belle-famille, vient bousculer un petit peu l'ordre établi, parce que les traditions ne sont pas les mêmes chez elle. Et en posant des questions, ne serait-ce que ça, elle peut ouvrir des pistes, ouvrir des possibles, et que la belle famille peut intégrer. Je pense tout simplement à la grande tablée. Par exemple, il y a la mamie qui va vouloir avoir tous les cousins, tous les enfants à table. Sauf que ce n'est pas toujours gérable avec des jeunes enfants qui vont être en hypoglycémie parce qu'à 13h, le barbecue n'est toujours pas prêt. Les ados qui seront toujours en train de dormir. Donc, pourquoi pas proposer deux services avec les plus jeunes qui ensuite vont faire la sieste. Voilà, il y a des petites choses qu'il faut... tenter, ensuite c'est accepté ou pas, mais au moins un autre possible est envisageable. Bien, suite de cet échange après cette page en couleur, à tout de suite. Il y a des millions de parents d'élèves en France. La croissance doit profiter à tous. C'est vers ça qu'il faut aller. L'épidémie est grave. Il faut celui qui est en difficulté continuera à être aidé. Nous avons besoin. Élection. Je m'évertue à le faire depuis des années. Aujourd'hui, la politique au sens noble, celle qui conditionne toute notre vie en société, cela mérite qu'on en parle sérieusement et pas seulement avec des politiciens. L'invité de Christian Macarian. Le nouveau rendez-vous politique de Radio Notre-Dame, chaque matin à 8h et le soir à 20h15. En marche vers dimanche. Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans. En marche vers dimanche. Avec Marie-Noëlle Tabu, du mardi au vendredi à 6h10 et 13h10.
Grâce à Premium Viager, obtenez un complément de retraite. Vendez vos biens immobiliers en viager libre ou occupé tout en restant chez vous. La vente viagère est garantie et certifiée par votre notaire. Vos biens vendus seront exonérés d'IFI. Premium Viager, spécialiste du viager dans toute la France, est à votre disposition pour une estimation gratuite. Premium Viager, 80 rue de Suffren, Paris 15e, au 01 78 95 82 00. 01 78 95 82 00. Premium Viager, vous méritez le meilleur. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Et nous nous retrouvons dans cette émission autour des conflits avec sa belle famille en vacances. Comment les éviter? Eh bien oui, on peut le faire. C'est pas toujours simple, ça demande pas mal d'efforts. Noémie de Saint-Sernin est avec nous ce matin, coach en développement personnel et en parentalité, qui est conférencière, qui est formatrice et qui a publié Les clés de la colère, manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs et Les clés du passé chez Erol. Et Stéphanie Combe est avec nous également, journaliste à La Vie, maman de 3 enfants. Noémie est également maman de 3 enfants. 3 enfants aussi. Et qui a publié, Stéphanie, qui avait publié La puissance, votre dernier ouvrage, hein, La puissance de la prière des parents chez Salvatore. Et puis, cet excellent ouvrage des références pour passer notamment des vacances, mais pas seulement, avoir des relations un peu plus apaisées entre belle-mère et belle-fille de A à Z chez Casar. Nous parlions effectivement en amont comment se préparer à ces vacances, le temps des vacances à passer ensemble, effectivement, y réfléchir. On ne va pas foncer la tête dans le guidon avec 3 semaines à devoir affronter une belle famille que l'on ne supporte pas ou une belle-mère que l'on ne supporte pas. Bref. Noémie de Saint-Sernin, effectivement, il y a beaucoup de conseils à donner autour pratique, hein, vous l'avez dit, les repas, par exemple, faire des plannings, et puis avoir des projets, c'est important, l'une et l'autre, vous avez une petite idée là-dessus. Oui, et puis si on ne supporte pas, oui, parce que le titre, c'est quand même ça, ouais, on n'est pas obligé d'y aller déjà. Enfin, on n'est pas obligé de se forcer non plus, comme le disait Stéphanie. Si on sent que c'est vraiment pas possible, quoi. On peut doser, y aller qu'un week-end, on n'est pas obligé de passer ses vacances avec sa belle-famille. Ça, c'est sûr et certain, personne n'oblige. Alors, c'est vrai qu'il y a des familles où il y a des traditions. Et dans le couple, comment on fait quand lui, il veut et elle ne veut pas, ou elle veut et lui ne veut pas? Alors, on ne peut pas empêcher l'autre de voir sa famille, par exemple. Si vraiment les relations sont très, très tendues et que d'un côté et de l'autre, ça campe sur ses positions, il faut déjà moi, je dis souvent, il faut choisir entre avoir la paix et avoir raison. C'est beau, ça. C'est pas mal comme résumé de l'émission. Donc parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en substance, avec mettre de l'eau dans son vin. La belle-mère n'a pas que des défauts. Il y a forcément, si on y va, c'est qu'on y trouve un peu son compte. C'est quand même sympa d'avoir tous les enfants qui jouent. On est quand même un peu plus tranquille souvent en famille. Parce que les enfants... Il y a du relais en fait aussi. Hein. Bah, on se retrouve dans le village, hein, qui élève. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Quand on se retrouve en communauté, finalement, l'enfant, il a des références adultes différentes. Il est bien occupé avec d'autres enfants. Il nous sollicite moins. Et on peut enfin prendre peut-être un livre et se détendre. Donc il faut voir les bons côtés. Moi vraiment, j'insiste là-dessus parce que lister les bons, les mauvais, être très objectif là-dessus et trouver comment on peut assouplir les mauvais côtés. Voilà, sur ces mauvais côtés, voilà, qu'est-ce qui me convient vraiment pas et comment je peux trouver quelque chose qui va me convenir ou comment je peux l'adoucir, le rendre plus confortable. Et valoriser vraiment ce qui va bien et surtout en user, en abuser. Alors c'est vrai que Stéphanie, aussi, je reviens, vous me faites penser, Noémie, aux questions des repas et les différentes visions. D'éducation, de vie et tout. Quand maintenant on a des membres de la famille qui sont soit véganes, végétariens, d'autres qui adorent la viande, enfin bon, ça peut, ce genre de truc, c'est quand même compliqué à anticiper. Ça peut vite dégénérer. Oui. Pardon. Ouais, alors, est-ce qu'il y a une réponse? Non, mais en effet, ça devient un casse-tête. C'est là où, pendant les vacances, voilà, il faut prévenir ceux qui vraiment, je ne sais pas, sont sans gluten. Enfin, c'est aussi à eux de prévoir leur pain, leur au maïs ou je ne sais pas quoi. Ceux qui sont véganes, ils ne mangent pas de tous les produits. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que le repas, c'est ce qui nous unit. On partage, on est à la même table. C'est là le lieu de l'échange par excellence, de communion, exactement. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Alors, là encore, je pense qu'on peut faire avec souplesse. Moi, en tant que belle-mère, je ne m'interdirai pas de prévoir un barbecue. Voilà, libre à chacun de piocher ou pas. Dans ce qu'il y a. De la salade, quoi. Voilà, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qu'on n'aimera pas. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui sera soit allergique, ou si on peut avoir une allergie. C'est à nous de gérer. De toute façon, moi, j'ai une enfant qui est cœliaque. Je ne me déplace pas sans quelques produits dans mon sac, évidemment. Et surtout, je vais être en alerte par rapport au repas.
Évidemment, donc on peut toujours prendre sa voiture, aller faire 3 courses et revenir. Ouais, sans la poser. On n'est pas prisonnier. En même temps, ouais. Voilà, cette question-là, c'est est-ce qu'on peut s'entendre quand on est différent? Est-ce qu'on peut mettre à cette même table un juif, un musulman et un catholique et ils ne s'entendraient pas? Ben si, il suffit, et c'est la clé pour moi, de respect. Que chacun respecte le mode de vie de l'autre. Et c'est vraiment, je pense que c'est ça qui est fondamental. J'accepte que tu sois différent. J'accepte que tu n'aies pas les mêmes idées sur l'éducation, sur l'alimentation, sur l'écologie, sur tout. J'accepte ça, ce n'est pas mes idées. Je ne les partage pas, j'en ai d'autres, mais je respecte les tiennes. Et à partir du moment où il y a du respect, il n'y a plus de problème. On peut manger à la même table et être végane, végétarien, écologique, écologiste plutôt. C'est intéressant parce que oui, là vous parlez, par exemple, vous évoquiez, vous effleurez la question politique. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut surtout pas en vacances, par exemple, parler de politique à table, de choses comme ça, Stéphanie? Qu'est-ce que vous en pensez? Politique, religion, honnêtement, je trouve ça compliqué. C'est pas le lieu de refaire le meeting, refaire le débat, parce que on sait d'avance ce qui sera dit, d'une part, ce que chacun pense et tout. Donc, je dirais que c'est pas le lieu de partir en croisade. et il me semble aussi que pour les enfants, c'est exactement ce que vous évoquez, parce que ça peut être la crainte des parents, entre cousins, on n'a pas les mêmes modes d'éducation, on n'est pas accroché aux mêmes règles. Et en fait, pour les enfants, c'est aussi l'occasion d'une ouverture au principe de réalité, qui fait que, on est différent. Voilà. Mmh. Et pour autant, et c'est la beauté de la famille, et pour autant, on va s'aimer. C'est-à-dire que nos différences, notre statut aussi dans le monde, notre fonction, notre boulot, le fait qu'on ait un job hyper intéressant. Finalement, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il n'est pas là. Et dans la famille, quand tout se passe bien et dans l'idéal, on est aimé sans raison. C'est vraiment l'amour inconditionnel que chacun peut recevoir et qui fait la beauté de la vie de famille. Et les enfants savent faire ça. Ils ne vont pas dire, ah bah toi, t'es petit, t'es grand, t'es plus fort que moi, tu grimpes plus vite. C'est les parents qui comparent. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Stéphanie. C'est-à-dire que la richesse aussi est dans la différence. Si on était tous pareils, maintenant, de là à mettre des débats sur la table politique, encore une fois, pourquoi on le fait? Parce qu'on veut convaincre les autres qu'on a les meilleures idées ou les meilleures opinions. Ça ne sert à rien. C'est comme dans les préférences alimentaires dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis pas là pour revendiquer mes choix ou dire que moi ce que je fais c'est mieux parce que moi je suis végétarienne donc je prends soin de la planète. C'est pas ça, c'est une histoire, c'est comme la religion, c'est une histoire entre moi et moi. Et ça ne devrait jamais être une histoire entre moi et les autres. Maintenant je peux, si on me demande, exprimer pourquoi je fais pas ça, mais en étant très respectueux. Voilà, c'est mon opinion, je sais pas si elle est bonne, mais c'est la mienne. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des belles-mères, alors parce que je suis tombée sur ce sondage fraîchement réalisé autour des rapports entre belles-mères et belles-filles, mais en revanche il y a aussi là où on parle des vacances en général avec la belle-famille en général, donc du côté de l'homme et de la femme, monsieur peut ne pas supporter non plus sa belle-famille. Bien sûr. Et c'est pas la même façon de là pour le coup d'appréhender la chose, Stéphanie et Noémie. Tout à fait. Alors c'est assez amusant parce que moi en tout cas c'est ce que j'avais découvert en défrichant ce sujet, la belle-mère belle-fille. Alors ça répond à un concept que les sociologues nomment la matrifocalité, qui est le propre des familles occidentales. En fait, c'est ce penchant des couples à favoriser la parenté de la femme par rapport à celle de l'homme. Donc, naturellement, on confiera plus volontiers son enfant à sa propre mère plutôt qu'à sa belle-mère. On téléphonera davantage à sa mère. Enfin, le lien sera peut-être davantage. Donc, le mari, bon an, mal an, finalement, il suit davantage. Et il se trouverait qu'il s'accommoderait davantage. Il y a moins cette histoire de rivalité. Parce qu'il n'y a pas le même sexe et le même rôle. Donc, il n'y a pas d'identification. Voilà. Et avec son beau-père, il va bricoler un peu, il va aller à la pêche. Enfin, il se montrera plus conciliant. Il y a moins d'enjeux qu'entre la belle-mère et la belle-fille. C'est dissymétrique. Parce qu'on n'est pas sur un truc de territoire, en fait.
Alors que belle-mère, belle-fille, c'est un peu ça qui se joue. C'est je vais t'expliquer comment tu dois élever tes enfants, comment tenir ta maison, comment être une bonne épouse pour mon fils. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu c'est ça. L'auditrice pour tout vous dire, c'est ça. Et la belle-fille, c'est je ne vais pas accepter, parce que parfois la belle-mère, elle a des bonnes idées quand même. Elle n'a pas que des mauvaises idées, encore une fois. Mais je vais faire tout le contraire de ce que tu me dis, parce qu'elle se braque, en fait. Hein. Et c'est pot de terre contre pot de fer. Chacun reste dans ses positions et ça crée ça. Un homme, déjà, par définition, ça lui passe un peu plus au-dessus de la tête. Il va aller prendre une bière. Il va s'isoler, en fait, si ça ne lui convient pas. Il va trouver un... Il va aller couper du bois pour aller dans le cliché. Ah, il va trouver une échappatoire. Il va dire, allez, je vais aller faire 3 courses. Il s'échappe, en fait. Hein. Ouais. Il s'échappe, il s'isole beaucoup plus facilement. Mais encore une fois, parce que c'est des combats d'égo, là. On est vraiment sur des combats d'égo. Donc, on veut, encore une fois, je veux te montrer que j'ai raison ou je veux que tu me regardes avec un autre regard. Souvent, la belle-fille voudrait qu'on la reconnaisse aussi. Ouais. Ça va, quoi, tu fais pas tout mal et puis arrête de remettre en question ce que je fais. Moi, ce que je voudrais dire aux belles-mères aussi, c'est qu'elles se rappellent qu'elles ont été à un moment belles-filles et que, oui, parfois, ça part d'un très bon sentiment. Moi, je le vois dans ce qu'on me confie parfois. La belle-mère vraiment vient dans... Oui, ça part d'un très bon sentiment. Par exemple, quand quelqu'un m'avait raconté ça, j'ai dit à ma belle-mère, elle est venue garder mon enfant et quand je suis rentrée, elle avait fait le ménage. Je lui ai dit, mais c'est génial qu'elle ait fait ton ménage. Elle m'a dit, mais pas du tout. En fait, c'est parce qu'elle le voyait comme ah ben, ça veut dire que c'est mal fait. C'est crade chez moi. C'était intrusif pour elle, ce que je comprends. Hein. Mais au lieu de mal le prendre, c'est de dire, waouh, c'est super gentil, mais ça me gêne. Tout simplement, ça me gêne, je suis gênée. Ou demandez-moi la prochaine fois, parce que je préférerais le faire moi-même, ou j'ai déjà quelqu'un, ou je ne sais pas. Ou ça me gêne, tout simplement. Hein. Stéphanie, j'ai l'impression qu'on est, on n'est pas assez simple en fait. Hein. Oui, c'est ça. Puis en effet, il y a des enjeux, il y a des inquiétudes, il y a des enjeux. La belle-mère souvent se fait un peu la gardienne du feu sacré. Oui. C'est-à-dire que c'est elle qui a pris en charge la lignée de son mari, hein, dont elle a pris le nom. Et donc la belle-fille, qui à son tour a pris ce même nom, se doit de perpétrer les traditions. Donc c'est là où il y a un enjeu qui bizarrement passe moins, vous voyez, côté masculin. C'est la femme qui est l'âme du foyer, qui est tenue de transmettre ses traditions, qui ne sont pas les siennes. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Mais encore une fois, face à ça, face à cette situation, on doit se sentir libre de perpétrer cette tradition ou de l'adapter. Parce que ça peut évoluer, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on vit, à ce qu'on aspire à vivre, à ses enfants, au caractère de ses enfants, à la situation d'aujourd'hui. Et toujours avec beaucoup de... Alors avec beaucoup d'humour, on n'en a pas parlé, mais je crois que l'humour, ça donne de la légèreté, ça décharge. Voilà, c'est vraiment une clé de ces relations qui peuvent être parfois un peu crispées. C'est rire de soi, rire de se taquiner, rire de ses petits travers. Et finalement, si c'est bien amené, si c'est vraiment fait gentiment, hein, pas l'ironie un peu méchante, un peu crispée, mais voilà, pas le... Mais vraiment gentiment, on peut se taquiner, on peut rire de nos petits défauts, parce qu'on en a toutes, on en a tous. Et ça permet de prendre du recul et puis de mesurer qu'en effet, parfois, on est crispé sur des broutilles, quoi, des détails qui n'en valent pas le coup. C'est ça. Eh bien, on va essayer d'apaiser un peu ces vacances d'été qui nous attendent. Après, en étant à l'heure en plus, pour lui annoncer la musique du jour, Une seule vie, de Gérard de Palmas, figurez-vous. On se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Surtout t'es de ma faute.
Et voilà pour Gérald de Palmas, une seule vie sur Radio Notre-Dame. Pourvu qu'elle soit belle cet été, comment éviter les conflits avec sa belle famille en vacances? C'est la question que nous nous posons ce matin en compagnie de Noémie de Saint-Cernin, coach en développement personnel et en parentalité, qui a écrit récemment Les clés de la colère, manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs et Les clés du passé chez Erol. Et puis Stéphanie Combe, qui est journaliste à La Vie, qui a publié de son côté son dernier La puissance de la prière des parents chez Salvatore. À lire d'urgence avant les vacances avec belle-mère et belle-fille de A à Z chez Cazard, n'est-ce pas, pour passer des vacances un peu plus paisibles. Vous évoquiez à l'instant l'une et l'autre effectivement les intentions de l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce que la belle-maman va faire le ménage à la maison qu'elle me trouve crados. C'est-à-dire c'est qu'il y a aussi des... Il faut faire attention à ça, Noémie et Stéphanie. Oui, c'est-à-dire que la question à se poser toujours quand on est heurté par ce que fait l'autre, c'est quelle était sa véritable intention? Quelle est l'intention positive de cette personne? Parce que souvent, on est pris par nos émotions. C'est-à-dire que j'ai un ressenti, voilà, elle a fait le ménage, je ne lui l'avais pas demandé. Déjà, elle m'a rien, j'ai rien demandé. Deuxièmement, c'est intrusif. Troisièmement, bah, elle pense peut-être que c'est sale chez moi. Et en fait, c'est ces pensées qui créent l'émotion. Nos pensées précèdent toujours nos émotions. Donc, cette pensée crée de la colère, peut-être, ou de l'énervement, de l'agacement, quelque chose qui va se retourner, puisque l'émotion provoque une action. Et l'action, c'est soit je vais bouder, soit je vais me renfermer, soit je vais dire une vacherie tout de suite ou un peu plus tard, soit je m'en prendrai le soir à mon mari pour déverser mon fiel. En tout cas, il va y avoir une réaction. Or, si je fais un petit pas de côté, que je me dis, mais quelle était son intention? En fait, peut-être qu'elle voulait juste me faire plaisir. Ouais, Stéphanie Combe. Alors moi, je précise à ma belle-mère, si jamais elle m'écoute, que moi, ça ne me dérange pas qu'elle fasse le ménage chez moi. Moi non plus. Elle l'attend avec impatience, Stéphanie. Moi aussi. Mais en effet, je crois que la clé de ces relations, c'est vraiment la bienveillance. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit le neveu, la nièce, ado, plongé dans son écran, que ce soit le beau-frère qui fait le malin parce qu'il a remporté je ne sais pas quel contrat, etc. Je crois que ces vacances sont l'occasion de vraiment se rencontrer, de valoriser les points positifs, les choses belles, bonnes que font les uns et les autres. Surtout, là j'insiste sur les enfants qui ne sont pas scolaires, par exemple. Les vacances, c'est l'occasion de déployer d'autres compétences, peut-être davantage d'entraide, davantage d'audace, celui qui va oser sauter dans la piscine, celui qui va faire un beau gâteau. Et je crois que c'est vraiment l'occasion pour fluidifier un petit peu ces relations, de montrer, de souligner tout ce qui est beau chez les autres. Les talents de chacun, en fait, au pluriel. Exactement. C'est intéressant, j'aime bien ce que vous dites, Stéphanie. Autour aussi des grands-parents, important à évoquer peut-être ce matin. C'est pas parce que, par exemple, parce que c'est vrai que c'est le temps aussi des conversations, l'été, les vacances en général, où les grands-parents parlent avec leurs petits-enfants. Et donc, quand c'est la belle-mère qui raconte un peu sa vision, son époque, etc., vous évoquiez ça tout à l'heure, Noémie, ça peut créer des crispations aussi, alors que, trois petits points. C'est de la richesse, en fait. Il faut accepter... À mon époque, les filles... Les grands-parents, c'est ultra important. Belle-mère comme beau-père sont les grands-parents de nos enfants quand il y en a. Et c'est fondamental pour les enfants d'avoir des grands-parents. D'ailleurs, les enfants adorent leurs grands-parents, en principe. Et ils vont transmettre leurs valeurs, ils vont transmettre leur vision de la vie. Et nous allons transmettre la nôtre. De toute façon, les enfants vont choisir. Et c'est pas parce qu'on n'a pas la même vision de la vie qu'il faut se braquer. Parce que c'est bien que les enfants voient aussi que cette différence, c'est ce que disait Stéphanie déjà, inter-enfant, parce qu'on n'a pas la même éducation, déjà on s'apporte et on s'enrichit. Donc on ne va pas priver nos enfants d'être en contact avec le monde extérieur, y compris les beaux-parents. Parce que de toute façon, il faut savoir qu'à l'école, la maîtresse transmet ses valeurs.
Mais voilà, on aura toujours quelqu'un qui va montrer une autre vision du monde à nos enfants. Et de toute façon, on passe tellement de temps avec eux que ceux qui transmettent le plus de valeur à leurs enfants sont quand même les parents, quoi qu'il arrive, à moins que ce soit vraiment les grands-parents qui prennent en charge à 100% l'éducation de leurs enfants. Et c'est une richesse. Et ce que je rajouterais en vacances, c'est que les vacances, c'est les vacances. Et qu'on peut accepter en vacances qu'on n'est pas sur nos valeurs à nous ou nos règles strictes. Qu'on peut mettre ses enfants en vacances aussi. C'est-à-dire arrêter derrière eux. On parlait des bonbons tout à l'heure. Voilà. Si nous, on est absolument contre, peut-être que ça ne sert à rien là de faire la police et le gendarme sans arrêt si les enfants ne se couchent pas à l'heure, si ils sont en vacances aussi. Et ce n'est pas ça qui va remettre en cause tout le schéma familial et toutes les règles qu'on a pu établir. Parce que les enfants sont assez, assez intelligents pour faire la part des choses et savoir que chez mamie et papy, c'est comme ça. Pendant les vacances, c'est comme ça, et chez les parents, c'est autrement. Ouais, les parents, les enfants sont conscients de ça. C'est ça, ils sont adaptables, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. En effet, si on se couche plus tard que d'habitude, si on ne mange pas les 5 fruits et légumes à tous les repas, voilà, la terre ne va pas s'arrêter de tourner, ni les poules de pondre. Donc, il y a cette souplesse à avoir, qui là aussi facilite les relations et aide à passer un bon moment. Et vous parliez des conversations, Marie-Ange, qui en effet peuvent s'éterniser, peuvent parfois tourner un peu au vinaigre ou ne pas correspondre à votre langage de l'amour, parce qu'autant certaines personnes sont moments de qualité, d'autres, ça les oppresse en fait de rester à rien faire des heures à prendre l'apéro. moi, je suggère d'être aussi dans le faire. C'est-à-dire de proposer différents projets adaptés aux enfants, vient qui veut, mais ça peut être, je ne sais pas, construire une cabane au fond du jardin, repeindre les volets, entretenir la maison, planter quelque chose, sortir. Ça permet, je trouve, d'abord de... Faire quelque chose. Voilà, faire quelque chose ensemble et prendre soin. Moi, j'aime beaucoup cette idée, surtout si on a la chance d'avoir une maison de famille. Eh ben, c'est un cadeau et il faut l'entretenir. Et alors oui, ça peut être un peu laborieux de repeindre les volets ou de désherber, je ne sais pas quelle allée. Mais ça fait des souvenirs. En fait, ça fait des souvenirs communs. Et puis, on contribue à un bien ensemble. Et je trouve ça très beau. Voilà, construire un pont ensemble, bah, c'est inoubliable. Et ça crée vraiment quelque chose qui va au-delà des idées, des débats d'idées qu'on peut avoir. Quand on n'est pas chez soi, quand on est tous dans une maison, alors ce qui arrive de plus en plus, puisque vous savez que les maisons de famille eh bien, disparaissent les unes après les autres pour une raison souvent financière, mais pas seulement, le poids que ça représente dans tous les sens du terme. Là, ça change un peu la donne, le fait d'être dans une maison qui n'est pas la nôtre. Tous, on est tous à égalité, du coup, Noémie. Oui, on est tous à égalité, mais il y aura quand même des gens qui vont prendre le lead sur certaines choses. Voilà. Forcément. Oui, il y a des gens, d'abord parce que ça leur fait plaisir. Il y en a pour qui, voilà, organiser. Oui, voilà, il y a des caractères et des personnalités, en fait. Et c'est important de respecter le caractère et la personnalité de chacun et de non plus le voir comme, ah ben voilà, c'est toujours elle qui fait tout, qui décide de tout. Mais qui m'empêche, moi, d'aller voir cette personne pour lui dire, bah attends, finalement, je trouve qu'il y a trop de féculents dans tes menus. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter là une salade de tomates ou je vais t'aider. Tiens, si je t'aide à faire aussi, je vois que tu as tout bien fait. Mais est-ce qu'on pourrait rajouter tac, tac, tac. Moi aussi, ça me ferait plaisir de participer. Voilà. Il y aura toujours des choses. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a moins... Le territoire n'étant pas celui de quelqu'un, il y a moins ce côté, t'es chez moi, donc tu dois te plier à mes règles, évidemment. C'est plus simple. Ouais, la difficulté aussi, c'est justement de ne pas s'enfermer dans des rôles. Oui. Le rôle du gentil organisateur, le rôle de la mère de famille qui va tout prendre en main et s'occuper des enfants l'après-midi. Et c'est souvent la difficulté quand on se retrouve en famille élargie. Les enfants, quel que soit leur âge, finalement, même s'ils sont devenus quadragénaires, quinquagénaires, etc., ont tendance à replonger un petit peu dans leur enfance et retrouver, pour l'aîné, la responsabilité de l'ensemble, pour le tonton rigolo qui devra faire se marrer tout le monde. Et donc, la difficulté, c'est à la fois d'être soi-même, en effet, d'assumer, de le faire avec plaisir. Et je crois que le critère, c'est ça, c'est est-ce que ça me fait plaisir de programmer en effet cette sortie, de veiller à ce que tous les enfants aient je sais pas, la crème solaire, la casquette, ou est-ce que je me force. Et
Donc c'est, encore une fois, c'est une question de relecture de son héritage, de son éducation, de son histoire familiale et d'alignement, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que, il faut faire le tri, en fait, pour que tout le monde soit heureux de ce moment de partage. C'est ça. Ouais. Peut-être aussi sur un mot sur nos écrans qui... Et nous pollue tous, n'est-ce pas? Oui, de 7 à 77 ans, voire avant. Que faire cet été? Comment conseiller? Comment répartir? Parce que là aussi, il y a des visions très différentes selon les familles. Et comment est-ce qu'on fait pour essayer d'apaiser un peu les tensions autour de cette question? Combien d'heures par jour, etc. Anticipation, encore Anticipation. Une fois, parce que tout le monde n'a pas les mêmes règles. Que... Mais moi, ce que j'ai remarqué, quand mes enfants invitent des enfants, quand ils arrivent, je prends le téléphone. Et je dis aux parents, ça ne vous gêne pas? Et en fait, ça ne gêne jamais. Alors, l'enfant fait un drôle de tête. Comme si je ne suis pas sa maman, ça passe très, très bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça se passe... Moi, mes dernières ont 14 et 15 ans, et que ça se passe super bien, en fait. Elles vont plus communiquer. Et d'ailleurs, là, j'ai reçu ce week-end et la petite m'a dit, quand je lui ai rendu son téléphone avant de partir, alors je leur donne un moment parce qu'elle appelle sa maman, mais m'a dit, en fait, c'était vachement bien de ne pas avoir son téléphone. On a fait plein de trucs. Tout à fait, et c'est vrai que le téléphone, d'ailleurs, on voit hein, s'ils partent en camp ou on leur prend leur téléphone. Pourquoi? Parce que ça va isoler l'enfant. En fait, le vrai problème en communauté, ouais. C'est que si on est ensemble, c'est pas pour que chacun se retrouve sur leur téléphone. Et aujourd'hui, les adultes comme les enfants font ça. On le voit au restaurant ou dans les transports. Avant, les gens lisaient. Là, ouais. Moi, j'ai pris le train ce matin. On voit pas beaucoup de livres. Il y a beaucoup de Candy Crush, mais il y a très peu de bouquins. C'est ça. Et donc, encore une fois, on anticipe ça. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de mettre des règles, ces règles, et de les proposer, pas de les imposer, mais de les proposer. Et de dire, ça serait chouette que de telle heure à telle heure, tout le monde laisse son portable dans une boîte. C'est ça, et de montrer en effet que c'est dans l'intérêt de l'enfant, parce que sinon, il sera connecté à ses milliards d'amis sur Facebook, Snapchat, ou je sais pas quoi, mais en réalité, il va rater ce qui se passe à côté de lui. Et moi, il me semble que ça peut... Alors déjà, le soleil nous aide, parce que c'est quand même pas facile de regarder son écran en plein soleil. C'est juste. Sauf pour des ados, je pense. Ils peuvent tout faire. Mais dans ce cas-là, en effet, pourquoi ne pas convenir d'une tranche horaire, où je sais pas, à l'heure du café, de 13 à 14, ils peuvent aller sur leur story, etc. Et le reste du temps, en effet, le téléphone est en mode avion. Ouais, ça c'est une bonne idée, une bonne chose, mais il faut pas avoir peur de l'imposer en fait. Non, faut pas. Voilà, et accepter aussi que les parents de grands ados vont pas choisir ce combat en priorité parce que aussi ils sont fatigués et quand on n'est pas d'accord sur ce point, parce que c'est le sujet du jour avec des membres de la belle famille, avec des beaux-frères, belles-sœurs. C'est la difficulté, mais c'est là où je pense que les enfants, exactement, les enfants comprennent que non, toi t'as 8 ans et nous à ton âge y a pas de portable, à ton âge tu passes pas 3 heures derrière l'écran, j'espère faire des jeux temps, vidéo. On n'a pas de portable, surtout. Ouais, si vous saviez. Je sais, malheureusement, je sais, mais on ne devrait pas avoir un portable. Et en tant que parent, là, pour le coup, c'est important de s'imposer, de dire, Harry Potter à 8 ans, il est trop petit, préfère des cauchemars. Donc, pour ses enfants, pour les enfants de moins de 8 ans, il y aura un autre film de proposer et les grands-cousins, eux, peuvent regarder... On n'a pas parlé de jeux de société. Parce que vous savez que ça cartonne de plus en plus, surtout depuis le confinement, qui a quand même eu là aussi des points positifs, certains, Dieu merci. C'est peut-être une bonne façon de fédérer les familles belles familles ou pas? À condition de ne pas être dans une compétition, encore une fois, parce qu'il y en a qui jouent que pour gagner. Tout à fait. Il y en a qui jouent pour jouer. Et en fait, le but d'un jeu, c'est de jouer. Donc il y a des jeux qui ont moins ce côté un peu compétitif. Mais c'est rare parce qu'il y a toujours des gagnants. C'est pas coopératif ou les jeux d'apéro qui se développent beaucoup. Donc ça, c'est plutôt des jeux sympas, des parties d'une vingtaine de minutes pour tous les âges et qui permettent en effet, là encore, d'être ensemble. Et d'être en équipe ensemble. Aussi. Voilà. Il y a moins d'individualité, donc c'est moins d'ego. Et puis là, quand on gagne, comme c'est le groupe qui gagne, ça ne fait pas le même effet que... une seule personne qui fait front face au groupe. Exactement. Et puis le jeu, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le jeu de société, il crée toujours, tôt ou tard, il y a un rire qui va naître. Un rire naturel, un rire sympa, partagé par tous. Et ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau des vacances.
Sans parler, effectivement, donc il y a les jeux de société et puis des choses, des petites choses qui peuvent effectivement alléger un peu l'atmosphère. Alors, on a parlé de l'apéro, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais parfois ça peut aider. La pétanque, les jeux, effectivement, de société qu'on peut pratiquer à l'extérieur. Les jeux d'eau, c'est-à-dire les jeux d'eau, c'est quoi? Simplement un pistolet à eau. Ouais. Franchement, les enfants peuvent passer l'après-midi à se tirer dessus avec un pistolet à eau. Vous aussi, faites ça, vous? Alors non, moi je crie quand ça m'arrive, quand le jet glacé m'arrive dessus. Des choses à la Marcel Pagnol, c'est vrai qu'on on a envie ces espèces d'ambiance, de famille élargie, où ça fait complètement rêver. On a l'impression que c'est un temps complètement oublié. Les enfants, dès qu'on organise des choses comme ça, les enfants sont très partants déjà, et les adultes se rendent compte qu'ils passent un bon moment. Voilà, on part. J'ai une de mes clientes là qui me racontait il y a pas longtemps qu'elle a décidé avec ses enfants de leur donner un petit sac pour aller ramasser les déchets dans la forêt. C'était mieux que la chasse aux œufs, quoi. C'est ça, voyez, super mission. Comme quoi, les projets, on vient au projet, en fait. On en vient à des projets, absolument. Il suffit de se dire, bon, bah voilà, on a un objectif, en fait. On donne un objectif, on emmène toute la tribu, tout âge confondu, et ça se passe bien. Et ça le but, c'est de mettre de la joie. Et, et une sorte de trêve aussi, on peut peut-être terminer comme ça, une trêve estivale, les conflits qu'on connaît dans nos familles et belles familles. Là, on essaye de faire un peu la paix, pendant 2 jours, 3 jours ou 3 semaines, quoi, Stéphanie. Oui, tout à fait. Bah, si vous voulez finir sur une note philosophique, je vais citer Pythagore, qui disait qu'il y avait 5 choses contre lesquelles il fallait se battre: les maladies, les passions du corps, l'ignorance, les guerres civiles et les disputes de famille. Ah, magnifique! Ça rejoint Mère Teresa qui disait: fais d'abord la paix chez toi avant de vouloir celle du monde. Parfait, merci mesdames Noémie de Saint-Sernin et vos clés du passé et chez Erol et Stéphanie Combe, la puissance de la prière des parents chez Salvatore. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotredame.com. Merci infiniment à Guillaume Nogaré et à Simon Tatro pour avoir préparé et réalisé cette émission. Musique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles-Éric Houguel. Ce mardi à 14h30, musique.